retrouver en ce vendredi 20 novembre. Vous en avez maintenant pris l'habitude, je vais continuer de vous faire découvrir quelques perles des expressions trouvées au fil des hymnes de la liturgie des heures. Expressions certes poétiques en un premier lieu, mais dont précisément la poésie nous fait aller au-delà des mots. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est jeudi, et cet extrait de l'hymne des Laudes tourne encore dans ma tête. Je cite « Tu es venu, Seigneur, dans notre nuit, tourner vers l'aube nos chemins. Le tien pourtant reste caché, l'Esprit seul nous découvre ton passage. » L'Esprit seul nous découvre ton passage. Voilà qui a de quoi relativiser, d'une part, toutes nos agitations à vouloir tout comprendre et tout expliquer tout le temps par nous-mêmes, mais aussi et surtout, voilà qui a de quoi nous rappeler que l'action de l'Esprit Saint est véritablement constitutive de notre foi. Car le chemin emprunté par le Seigneur resterait bien souvent caché à nos yeux si l'Esprit ne nous aidait pas à découvrir des traces de son passage et de sa présence dans les petits riens de notre vie. Alors sachons nous réjouir et rendre grâce pour ce don que Dieu nous fait de l'Esprit Saint, ce précieux révélateur du passage du Christ dans nos vies sur les chemins qui mènent au Père. Bonne journée à chacune et à chacun de vous.